Tu ne le croiras pas, mais j'ai trouvé la réponse. Toutes ces années, j'aurais dû la voir. Le reste, je te le raconterai quand j'entrerai. Je t'aime. Bougez vos fesses! Allez! Le générateur est mort! Le feu va se propager! Hé! Hey, et celui-là? Ah, laisse-le! C'est le salaud qui a volé ma voiture! Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Je veux pas regarder. Bonjour tout le monde. Je vais essayer un nouveau jeu. Il s'appelle Sanitarium. Et je sais pas du tout ce que je fais là. Je sais même pas quel personnage je fais. Je veux pas regarder. Il y a quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Ton dieu. Va. Une sentinelle grotesque. Ouais, ok. Est-ce que je peux bouger? Attends. C'est quoi? Ça, c'est ça. Charger. D'accord. Ça, c'est observe. C'est bizarre. D'accord. D'accord. Configuration clavier. Réglage. On va juste voir la configuration clavier. Donc. Merci, on touche. Touche chargement rapide. J'ai pas tout. Il y a d'autres choses? Pas là. Menu principal. Réglage. Ok. Audio. Option texte. Option audio. Ok, je vais peut-être baisser un petit peu les volumes des voix. Juste un petit peu comme ça. Ok, puis je vais sortir. Si je fais le menu principal, c'est ça. Retour au jeu. Bon, je ne peux pas bouger. Je... Ah, comme ça. Ok, bon. Oh, cette manière de jouer, il fait... C'est quoi cet endroit? Aucune idée. Aller par là. Oh. Le jeu n'a pas duré longtemps. Méchant fantôme. Méchant. Un mouton. Sors. Ce doit être celui de l'alarme. Sors de là. D'accord. Un mécanisme à verrou à la base. Ah mais ouais? Pourquoi? Aucune idée. Oh! Ok. On peut parler à cette personne? Qu'est-ce qu'il fait d'ici là à essayer de se cacher dans ce coin? Je te vois pas, mais crois-moi, je t'entends. Okay. Je suivrai ton raisonnement jusqu'à la ruse. Mon Dieu, j'arrive. Ça doit être le générateur. Ils ont dit que ça pouvait exploser à tout moment. Comment sortir? Une bonne question. On peut pas aller ici? Un câble électrique. Vaut mieux pas le toucher avec mes mains. Amical peut-être, mais j'ai perdu la mémoire. Non,
Non, je voulais pas. Oh, mon gros, viens que je t'y croie. Viens ici, ma fille. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu crois que tu vas m'échapper? Diagnostic fou. C'est ça, c'est ça. Je vais essayer de parler à celui-là. Il semble amical. Je peux te poser une question? Comment tu t'appelles? Don. Je t'ai jamais entendu avant. Qui tu es? J'aimerais le savoir. Je me souviens pas. J'espérais que tu le saurais. Voix stupide! Es-tu un esprit? Et pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est pas évident. Peur de lui. Lui? Je ne... Tais-toi! Ou il t'entendra. Voix stupide! Quelle condition de vie horrible. Ouais. Non, ma chère peut descendre plus bas, moi. Pourquoi? Je vais encore attendre que... Qu'est-ce que l'option qui reste? Mécanisme à verrou à la base. Mais pourquoi? Je n'ai aucune idée. J'ai rien trouvé pour aider à répondre à ta question. Mais c'est pas grave, on va finir par trouver. On va finir par se faire tuer sinon. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un mécanisme qui est là. On va pouvoir tomber? Je devrais pas trop m'approcher du bord. D'accord. Ça doit être le générateur. Ils ont dit que ça pouvait exploser à tout moment. Comment sortir? J'aimerais bien sortir. Pas par là. Excuse-moi, je te connais? Tu t'appelles... Martin, j'ai dit... Est-ce que tu sais... Tu sais qui... Tu sais comment je m'appelle? Et comment je le saurais? Comment tu peux supporter leur bourdonnement incessant? Comment? Pourquoi l'alarme est détraquée? Qu'est-ce qui se passe? Les insectes, c'est sûr! Les petits salauds ont fait sauter le courant! Comment est-ce que les insectes peuvent faire sauter le courant? Laissez les fous sortir! Les fous errent en liberté! Ah, ces méchants insectes! Où sont les autres? Tous des lâches! Quand l'alarme s'est détraquée, ils se sont tirés. Il doit être de mèche avec les insectes. Attends que le docteur Morgan soit sûr. C'est un complot.
Si quelqu'un pouvait arrêter l'alarme, je peux pas réfléchir. Et tu penses qu'après, ça ira mieux? Oh, il y a un bouton quelque part là. Alors, pour déplacer le personnage, il faut peser sur le bouton droit de la souris, ça fait bizarre. Elle est encore plus belle éclairée. D'accord, ça ne m'aide pas. Tu ne peux pas me piquer, trop rapide pour toi. Retourne à la ruche, personne peut te voir, mais moi si. Salut, je crois pas te connaître. Comment tu t'appelles? Lenny. Je suis Lenny. Mon nom c'est Lenny. Bon, tu dois être Lenny. Tu ne connaîtrais pas mon nom par hasard? Non, ma maman ne veut pas que je parle aux étrangers. Où est-ce qu'ils sont tous, Lenny? Ben là où tu devrais être. Faut écouter quand même. Merde, les gens fait tous partir. Tous partir? Où? Hé, Lenny, tu sais où on est? Ça, c'est chez moi. Ma chambre. Tu l'aimes, mon... Ta chambre? Non, je te parle de l'immeuble. C'est quoi cet endroit où on se trouve? Comment ça s'appelle? Ma maison. J'ai pas dû l'entendre, Lenny. Où est-ce qu'elle les a fait partir? À l'école? Ouais. Elle les a fait partir à l'école. Puisque je n'ai pas entendu ta mère, tu peux me dire comment y aller? Il n'y a pas l'air de vouloir y aller à l'école, celui-là. C'est pas ta maison. Si, si, c'est ma maison. Pourquoi tu es là, Lenny? Tu peux me le dire? Je me conduisais très, très mal. Mal? Je peux pas croire ça, Lenny. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé de la tarte à la citrouille. De la tarte? Une tarte? Ben, y a pas de quoi en faire un plat. Ben, ça venait du plan. Un plan de citrouille? Où les... Où... Ok, on est chez les fous, ça c'est ça. Oh, ça me m'aide pas vraiment à trouver. Bon, je vais encore parler à lui. C'est la seule chose que je peux faire. Martin, c'est ton nom, pas vrai? Oui. Martin! Oui, bien sûr! Et alors? Le courant a sauté? T'es sourd ou quoi? Oui, le générateur, ça allumait la tour. Gros truc, feu, flamme, essence, ça chauffe, quelque chose se passe. Et zing, t'as du courant. Tu sais pas comment ça marche? On est où là? Un asile, Fada. Ouais, ça je pouvais imaginer. Un asile? Ça a l'air si vieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Un asile, maison tarée, ferme d'aliénés. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, il y a plein de choses que je comprends pas. Déjà, pourquoi t'es là? Ces insectes me rendent fou. Mais je trouverai leur ruche un jour. Le docteur Morgan est très utile. On va les écraser et ça sera fini. Ok. Bon, commencez, on va parler du docteur Morgan. Il y a un docteur ici, docteur Morgan. Exterminateur. C'est ce qu'il est. Et le meilleur. Il tue les insectes à mort. Ben oui, c'est sûr que le mettre à mort s'il tue. Ils reviennent tous jours. Quels insectes, Martin?
Je ne vois rien. Peut-être qu'ils ne sont pas réels. T'es sérieux, là? Ces suceurs de sang, ces chines à détruire le monde. Martin, réfléchis. Comment quelques insectes peuvent détruire le monde? C'est pour quelques insectes. Ben, regarde-les. C'est pas des vrais. C'est des robots. Des petits, tout petits robots. Bon, je pense que j'ai parlé à tout. On va aller voir en haut. Il doit bien avoir un moyen de sortir. Lui j'ai parlé. Que je t'y croise, viens ici, ma puce. Peut-être assez de parler avec. Comment je fais pour descendre en bas, moi? Sors de là! Esprit! Mauvais esprit! D'accord. Il y a un truc là, mais je sais pas comment faire. Il y a un mécanisme à verrou à la base. Mais pourquoi? Une idée. Comment faire? Tiens, on peut essayer de parler avec lui. Diagnostic fou. Diagnostic fou. D'accord, on peut pas parler avec lui. Quoique avec... Bon, je vais aller voir cette personne. Salut, Don. Oui? La voix stupide. Non, pas un esprit, juste un homme, comme toi. Comme moi? Alors, tu entends les voix aussi? N'est-ce pas? Je sais pas, ces voix, ces esprits, ces fantômes, ces choses-là... Qui sont-ils? Des guerriers déchus qui demandent vengeance. Ok. Quelque chose ici m'est familier. Je vais bien finir par trouver. Où sommes-nous? Je sais quelque chose que tu sais pas. C'est le village. Voix stupide. Quel village? Cet endroit n'a pas un nom? Bien sûr. C'est le village, le meilleur endroit pour des gens comme toi et moi. Ici le docteur a des ressources, il est génial, docteur Morgan. Il dit que j'ai de la chance d'être là. Alors tu dois avoir de la chance aussi. C'est bien pour toi. Et bien fait. De quoi veulent-ils se venger? Temple! Les temples perdus, tu les entends? Qui pleure? C'est ça le temple? C'est un des temples perdus ici? Non. C'est pas ça. T'es pas le guerrier que je croyais. Il est où ce docteur Morgan? J'ai besoin de lui parler. Il te trouvera. Le meilleur sorcier guérisseur du monde, il est. Il nous sauvera. Dis-moi où je peux trouver quelqu'un, le docteur Morgan, n'importe qui. En fuite! Trouillard, pas grand guerrier comme nous. Oh, mais Morgan.
Il nous trouvera. Qu'est-ce qui a déclenché l'alarme? Mobilisation. Le village est attaqué. D'accord, on est attaqué. Mais comment j'éteins l'alarme? Pourquoi tu veux l'éteindre? D'accord, bon, mais je pense que je vais y aller. Il doit y avoir un endroit où je peux aller. Il y a quoi? Il y a un bouton là-bas. Là-bas. C'est la statue. Pas de truc à faire. Je le trouverai. Je te vois pas, mais crois-moi, je t'entends. Je suivrai ton bourdonnement jusqu'à la ruche. Trop loin. J'arrive. Aucune idée. Et ici, le bouton, on peut pas le faire. Il y a un mécanisme à verrou à la base. Mais pourquoi? Elle est encore plus belle éclairée. Ouais, ça m'aide pas ça. Bon, on devrait rester, je vais descendre en bas, je vais aller fouiller les chambres. Une serviette. Ça peut servir. Ah, on peut ramasser. Bah, ces lits sont dégoûtants. Ok, tant mieux. Donc, il y a une serviette. Autre chose. Bah, ces lits sont dégoûtants. Ouais, je sais. Mais, méchant fantôme, méchant. Esprit, mauvais esprit, j'écoute pas. Et si on découpait la serviette pour pouvoir aller ramasser? Il y a un mécanisme à verrou à la base. Mais pourquoi? Aucune idée. Tu ne peux pas me piquer, trop rapide pour toi. Retourne à la ruche, personne peut te voir, mais moi si. Comment y arriver? Trop loin. Est-ce qu'il y a un bouton pour les lanternes? Tu ne peux pas me piquer, trop rapide pour toi. Retourne à la ruche, personne peut te voir, mais moi si. On dirait que non. Bon, c'est autre chose alors que ça, la serviette. Je le trouverai. Je te vois pas, mais crois-moi, je t'entends. Je suivrai ton bourdonnement jusqu'à la rue. J'arrive. Tu ne peux pas aller par là. Avoir un moyen de servir la serviette, peut-être la donnant au fou. Diagnostic fou. Non, on dirait qu'on peut pas me donner au fou. Une serviette. On ne va pas y arriver, ça ferait mal. J'aimerais bien, mais non. Il doit y avoir une solution. Ouais, il doit y avoir une solution.
Maintenant, je sais un petit peu mieux comment sortir la serviette. D'accord. Une serviette. Il y a un mécanisme à verrou à la base. Oui, je sais. Mais pourquoi? Une serviette. Pas ça. Ouais, d'accord, on va voir autre chose alors. Peut-être pour éteindre le feu dans le réacteur. Trop rapide pour toi! Retourne à la ruche! Personne peut te voir, mais moi. Non, je crois que je peux pas faire ça. On va pas y arriver, je peux pas faire ça. J'aimerais bien, mais il doit y avoir. C'est pas une bonne idée. Ok, donc c'est pas ça qui sert. Et alors, comment y arriver? Pas par là. Comment je y arriver? Comprends. Ça ferait mal. Ça ferait... Je te vois pas, mais crois-moi, je vais t'entendre. Bon, j'ai pas trop quoi faire. On va pas y arriver. Il doit y avoir une solution. C'est pas une bonne idée. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Ça ferait mal. Ça fait des méchants bouts de temps que je me promène. Ça me sert à rien. On va finir par trouver la solution. Je pensais qu'on pouvait le déchirer, faire une corde et descendre peut-être un étage. Il doit y avoir, ça ferait mal. C'est pas une bonne. Non, je crois pas. Je peux. On va pas y arriver. J'aimerais bien, mais non. On va pas y arriver. Bon, mais je pense que je commence à tanner, là. Oh, je comprends pas du tout ce jeu. Bon, c'est pas trop grave. Je vais arrêter là parce que. J'arrête pas de tourner en rond sans savoir quoi faire. Donc, passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.